Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Véville où comme on peut voir en cours de rangement, les Vitoyens ont un peu tendance à bien aimer crever de faim. Donc il n'y a pas grand chose de nouveau qui se passe par ici. Vraiment, enfin il y a un peu de farine. Pendant le rangement il y a eu un petit problème où on a un tout petit peu manqué de farine à un moment et heureusement qu'il y a une tonne de pommiers ici, sinon ça aurait été un peu la fin. Et le drame absolu de la Véville et de tout le monde qui crève lamentablement. Dans tout ça, bah, y a plein de bazar. Il y a une énorme stockpile de matériaux ici. Puis une énormissime de machins magiques et tout ici. Une petite armure qui commence à se remplir et les armes commencent à avoir quand même un bon stock d'armes avec tous les héros qui sont venus crever et encore des matériaux à côté. Et du coup, bon là, je pense que cet étage est quasi tout vide, ouais. Celui-ci est moins vide, mais ça, je sais pas dans quoi on les range. J'ai tenté un truc ici, en mettant une pile de décoration. Mais apparemment, non, les têtes ne sont pas dedans. Non, les têtes ne sont pas dedans. Les têtes ne sont pas dans les armes non plus, il m'a semblé. Non. Donc quoi ça pourrait être une petite erreur de traduction, quelque chose comme ça. Voilà, encore un autre qui a lamentablement crevé de faim ici. Pour la peine, ton corps sera détruit et voilà en fait. C'est pas là, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas des utilities, c'est pas des furnitures, c'est pas des... Non, je ne sais pas dans quoi on range les armes, si on... les têtes des machins, si on peut les ranger quelque part. On va laisser ça, on sait jamais, ça peut toujours servir. Et non, du coup, ça m'ennuie qu'il y en ait partout de... Bah partout en fait, puisque finalement c'est un petit peu... en tentative de rangement, s'il y a des têtes de... De gobelins, de hobgobelins et tout ça partout... Même le wiki ne dit pas dans quoi on peut les ranger, donc du coup, bah, y essaie pas. Et je les range pas. Ha ha ha. J'ai creusé deux petits chemins aussi, ici, là, hop, j'ai creusé trois petits blocs ici pour leur faire un chemin plus rapide. Et là, pareil, j'ai creusé un petit peu ici pour leur faire un chemin plus rapide pour descendre dans les étages et tout ça. Parce qu'au final, vu qu'on est en train de ranger tout le bazar... D'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'ils sont, mais ça va prendre un temps fou à ranger tout ce bazar. Est-ce qu'il y en a un de ces nombres? Et ça serait bien que je trouve quelque chose. À moins que si peut-être... non, c'est pas ça, c'est pas ça. Si je peux leur demander de fabriquer des gobelins sur tête, enfin des gobelins sur pique. Mais apparemment, je ne peux pas leur demander de fabriquer ça. Parce que je sais qu'ici, je peux avoir en décoratif, en extérieur, des têtes de gobelins sur des pics. Et donc, du coup, si j'en fabrique plein, mais vu que je ne peux pas les fabriquer là, cette idée est virée. Cette idée est effectivement virée, puisqu'on ne peut pas faire ça. Donc, on ne fera pas ça. Hop. Ah oui, non, mais ici, de toute manière, c'est l'étage d'en dessous où on n'est pas encore allé, puisque l'échelle qui est ici est cassée. Enfin, n'est pas cassée, a été retirée pour permettre le rangement de tout le bazar complet et total qu'il y a là-dedans. C'est complètement dingue. D'ailleurs, on va peut-être... Ouais, mais non, puisqu'il faudrait que j'attende qu'ils remontent tous et tout ça. Ça va pas le faire. Sinon j'aurais bien cassé l'échelle qui descend encore en dessous pour les obliger à ranger les étages, étage par étage. Je ferai peut-être ça tout à l'heure. J'ai aussi commencé à nettoyer les bords de la carte de la lave. Donc ça c'est pas plus mal. J'ai eu un truc très marrant, j'ai eu une invasion de slime qui s'est passée ici. C'était assez drôle, j'apparais sur une case et je ne peux bouger que d'une case. C'était assez marrant comme blague. Donc là, on perd quand même pas mal de vitoyens. Mais on devrait en re-récupérer un moment ou un autre, j'espère. S'ils ne crèvent pas tous à crever de faim
comme des grosses bouses de vitoyens. Et si pour ça on va peut-être récolter quelques pommes de plus. Une petite vingtaine de pommes. On va faire d'autres barils de... Oui non, puisque les pommes ils vont me les planter là-dedans. Ce sera très bien. On va en faire un de plus ici juste pour équilibrer la forme du truc. Et après ça ira très bien. Voilà, donc là-dedans il n'y a rien. Ah si, ah bah ça voilà, ça a servi. Ah bah oui, les bouteilles, puisqu'à un moment je voulais faire du poison à coup de bouteilles et de champignons, mais j'ai jamais réussi à cultiver les champignons. Enfin si, j'en ai deux pauvres champignons qui cultivent quelque part par là. Hein. Et ça c'est... Si je demande ça, est-ce qu'ils peuvent me les replanter? En même temps j'aurais peut-être dû rester... Est-ce que ces deux-là vont aller faire mes trucs avec les champignons? Sûrement. Est-ce qu'il va... ils vont peut-être les replanter à côté du coup. Je vais peut-être réussir à cultiver du champignon. Ce qui serait pas mal. Et ce qui, contrairement à toute logique, le champignon se cultive en extérieur sur la neige quand c'est un champignon des cavernes, ce qui est tout à fait extrêmement logique. Alors toi pose ton truc et crève de faim. Voilà. Ah bah dis donc, on commence à en avoir une de ces collections d'armes. Des petites armes vertes. Et j'ai remarqué un truc marrant, c'est qu'ils remplissent les piles suivant l'ordre dans lequel on construit les piles. Là, ils remplissent majoritairement la pile d'armes, qui est la dernière pile que j'ai construite. C'est assez marrant et assez étonnant comme façon d'organiser la collecte des piles et tous les trucs comme ça. Mais c'est pas grave. Hop, j'essaierai de couper ça au montage si je n'y pense pas. Ce qui est très logique ce que je viens de dire d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Là voilà, là c'est un peu le bordel, je m'étais dit que j'allais construire les piles pour qu'ils rangent ça dedans. Mais en fait non, ils ont été chercher ce qu'ils étaient en train de ranger, et comme cette pile a été faite, hop, c'est la nouvelle pile qui a eu la priorité, donc ils ont rangé dessus. Et j'ai l'impression que que tous les items qu'ils lootent, on s'ajoute genre à une liste, et il va chercher toujours le dernier item accessible qui a été loot. Il prend l'item, il le ramène, et ça suivant la liste des piles qui ont été construites. Donc je pense que ça a été plus ou moins corrigé dans les versions suivantes, mais bon, vu que je joue en version 0.47, je crois, 0.47B, et qu'il doit y avoir quasiment peut-être une dizaine de versions entre celle à laquelle je joue et celle à laquelle on est arrivé maintenant. Mais bon, c'est pas grave, les nouvelles versions sont un peu... trop bizarre. Et d'ailleurs, en parlant des nouvelles versions, je pense que je vais en faire gagner une pour Noël. Tout ça serait bien de faire genre un petit concours pour ça, mais vu que je n'ai pas d'idée de quoi faire comme concours, moi ce que je vais proposer, c'est de choisir ceux qui veulent participer au concours, de faire quelque chose sous n'importe quelle forme que ce soit, et de me l'envoyer par message sur YouTube ou sur Gear Network, et moi je regarderai ça et je ferai un petit classement derrière, et je ferai gagner quelques clés de Towns pour que tout le monde puisse y jouer aussi. Donc je pense que le concours va être ouvert pour une vingtaine de jours jusqu'à Noël. Je ferai une petite... ça, si je dis que je le ferai jamais, mais je vais voir pour faire un petit truc qui explique un peu plus très prochainement ce petit concours pour comment gagner quelques machins. Alors pourquoi eux ils sont en train de sortir les os? Il comprend pas, bon, c'est pas grave. Voilà. Et j'aimerais bien attirer des nouveaux vitoyens, mais pour ça je crois qu'il faut que j'arrête d'aller récupérer les trucs. Et une fois que j'arrête d'aller récupérer les trucs, ils vont se... Le bonheur dans la ville va remonter.
Et je vais pouvoir re-récupérer des trucs. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je ne suis plus très sûr. Et pour le moment, ils vont... Ah bah c'est très bien, lui il a été récupérer un truc ici. Donc en fait, je ne comprends pas comment ils choisissent les trucs qu'ils vont récupérer. Parce que lui a été récupéré un ITI. Alors qu'il me semblait que c'était les armes, puis les armures. Qui lui, il a été récupéré des os. Elle, elle va mais à l'autre bout du monde pour récupérer un truc. Et forcément, elle a envie de dormir. En même temps, je la comprends, ça prend 2 jours d'aller descendre dans tout ça. Ah tiens, on est passé en année 2. J'avais même pas vu ça, nous sommes le 12 janvier de l'année 2. Enfin, le 12 du premier mois de l'année 2. En même temps, c'est bien, tiens, se rendre compte qu'on a changé d'année en cours de jeu. Ce qui est quand même relativement rare dans Towns. Faut bien le dire, on a quand même tendance à crever dans les 2 premiers mois... en général et en temps normal, et elle avance plus vite que le héros. Ce qui est assez bizarre. Bon, j'aimerais bien savoir ce qu'elle va récupérer, mais elle va récupérer un truc qui est vraiment à l'autre bout. Vraiment, vraiment à l'autre bout. Ah, 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 elle a récupéré un truc ici. Des os, je crois. Ou une arme, j'arrive pas bien à voir. Une arme. Tout ça, pour ça. Et donc voilà, c'est pour ça que ça prend une éternité. Pour le prochain épisode, un peu exploratoire et tout ça, parce que bon, j'ai décidé de ranger un petit peu, mais je pense que... Enfin, j'ai pas vraiment abandonné de ranger, puisque si j'abandonne de ranger, et vu qu'à chaque fois, ils vont... J'ai toujours vu qu'ils avaient tendance à aller chercher les derniers items qui sont drop. Si je remets mon échelle ici, ils vont avoir tendance à aller chercher les items qui sont là, et genre, plus précisément, l'item, l'or qui est là, là, juste à côté du mob. Je vais peut-être éviter de faire ça et on va voir. De toute manière, si c'est trop long, je vais réabandonner de tout ranger et on partira sans tout ranger. Et voilà, je... Mais disons qu'ici, c'est tout rangé. Comment ça, c'est tout rangé ici? Le niveau 5 est vraiment rangé. Ah ouais, ça c'est bien. Donc le niveau 5, le niveau 6, c'est semi-rangé. Et le niveau 7, c'est le bazar. Et le niveau 8, c'est le bordel. Ok. Donc on est arrivé au niveau 5 en rangement. Tout ça en ne perdant que à peu près une trentaine de vitoyens entre ceux qui sont arrivés, ceux qui ont crevé, ceux qui sont revenus. Et tout ça, et là, il y a ouais, une vingtaine d'heures de jeu entre le dernier épisode et celui-ci où il n'y a pas grand-chose, je crois, qui s'est fait construire et évoluer. Et c'est surtout majoritairement de... Du rangement. Et ça, c'est très 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 long. Donc voilà, là-dessus, on va se dire bah, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, etc. Comme d'habitude, et à très bientôt pour un nouvel épisode de la Vieille Ville. Allez, salut!